Demandez-moi pas pourquoi j'avais envie de faire un panda, aucune idée. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Fait que j'ai tracé la forme principale, j'ai fait les détails noirs avec les lunettes fumées, fait que c'est un panda cool, mais genre des montures or après. Là, j'ai mis une belle ligne de peinture or, argent, puis je vais souffler ça avec un séchoir à cheveux pour sortir la peinture à l'extérieur. Je veux que le panda ait l'air de faire exploser la toile. Puis je vous montre ce que ça donne, après avec le séchoir.
voir, puis je vous montrerai ce que ça donne après. Voici le résultat final. Là, ça va sécher, ça va être un peu moins brillant au final. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de brillant. Je vais vous faire des prises rapprochées pour vous montrer les détails. Mais je me suis vraiment amusée. Ça, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire un panda cette semaine. Puis ce qui me venait en tête, c'est du noir et or, beaucoup. Alors, je vous présente Bad Panda. Je le trouve vraiment drôle. Il me fait rire. J'aime ça, des animaux avec des lunettes. J'en ai quelques-uns dans ma maison. Ça me fait rire, je trouve ça comique. Donc, j'ai mis beaucoup de détails or, beaucoup de brillants, beaucoup d'éclaboussures. Je voulais qu'il ait l'air d'exploser la toile. Puis j'ai tiré des petites couettes un peu partout. Ça lui donne un air comique. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment cool. Je vais laisser sécher tout ça en espérant que la peinture ne craquera pas, mais j'ai beaucoup de peinture métallisée dedans. Ça ne devrait pas trop craquer. Je vous montrerai le résultat sec. Mais voilà, mon premier panda. Suite à mon premier panda, j'ai décidé d'en faire un autre, mais dans les couleurs fluo, celui-là. Donc, je complète les étapes. Là, j'ai fait ma forme de base avec mes lunettes, avec le noir métallique. J'ai fait mon contour pour pousser la peinture fluo partout. Je vais en remettre plus parce que la peinture fluo s'étend un petit peu moins bien. Puis, je vous montre ce que ça donne. Je vais rajouter du noir au travers de la peinture fluo. Je pense que ça va faire un bel effet. Donc, je rajoute un peu de peinture, je passe le séchoir là-dessus, puis je vous remonte le résultat. Merci de ton écoute. Et si tu as envie de te salir les mains joyeusement, j'accueille à partir du 8 septembre des personnes motivées à travailler dans le fun, dans la légèreté, dans le plaisir, dans la liberté. Dans mon atelier qui est situé au sol de ma maison, j'ai 4 stations partageables, dont certaines pour la captation vidéo. Puis c'est possible de créer ou de co-créer ensemble une toile. C'est possible d'y tenir des ateliers avec votre gang. Bref, c'est assez flexible. Je vous laisse mes coordonnées si jamais ça vous intéresse de travailler sans salir quoi que ce soit chez vous. Ça va me faire plaisir de vous accueillir, de vous coacher et de vous connaître si on ne se connaît pas déjà. Puis de partager ma salle de séchage le temps que votre œuvre soit disponible pour apporter chez vous.